Bonjour et bienvenue au SkiCube. Alors, je vais vous présenter donc la thématique sur le prêt d'honneur. Donc, le prêt d'honneur, donc une ressource clé pour financer votre entreprise. Donc, je suis Céline Leroux, je suis responsable des relations entreprises et porteur de projet au sein du SkiCube. Et je vais vous présenter donc, déjà qu'est-ce que c'est qu'un prêt d'honneur et après, plus spécifiquement, qu'est-ce que c'est que le prêt d'honneur Initiative 50 ans en Yvelines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prêt d'honneur? Le prêt d'honneur, c'est un prêt à la personne. C'est-à-dire qu'on va prêter aux dirigeants, généralement, d'entreprise, à la personne. Donc, c'est un prêt personnel. C'est pas un prêt à l'entreprise. C'est un prêt à taux zéro, donc sans intérêt ni garantie. Donc, chez nous, il est vraiment ni garantie, zéro, zéro, parce qu'en fait, c'est si vous remboursez l'intégralité. On vous rembourse l'intégralité des frais de dossier et d'assurance et de garantie si vous remboursez en fait sans incident notre prêt d'honneur. C'est-à-dire qu'on vous fait payer des choses au démarrage, de garantie, des frais de garantie, et si le remboursement se passe bien, donc on est sur du prêt sur 3 ans, je vais y revenir après, on vous rembourse également ces frais qu'on vous a demandé au démarrage. Donc c'est vraiment du prêt à taux zéro, zéro. Donc le prêt, ça peut être pour de la création d'entreprise, ça peut être pour de la reprise ou de la croissance d'entreprise. Donc je vous détaillerai après les différents prêts d'honneur. Donc l'objectif d'un prêt d'honneur, c'est le renforcement de vos fonds propres. Généralement, vous avez un peu d'argent de côté que vous allez mettre dans votre projet. Et le prêt d'honneur, il est là pour compléter votre apport. Ça va vous permettre d'augmenter votre apport personnel, parce que c'est des fonds qui sont considérés quasi propres. Donc ça va permettre d'augmenter vos fonds propres pour obtenir notamment un prêt bancaire. Donc ce prêt d'honneur, il n'est pas forcément attribué à un financement spécifique. C'est-à-dire que vous l'utilisez comme vous voulez. De toute façon, il va arriver d'ailleurs sur votre compte personnel, et généralement, vous allez le mettre dans le compte courant d'associé. Ce prêt d'honneur, du coup, il peut aider au financement du stock, du besoin en fonds de roulement, des frais de communication, de la trésorerie de départ, etc. Généralement, tout ce qui est un peu immatériel, les choses que la banque finance un peu moins. L'objectif également, donc en plus de renforcer vos fonds propres, c'est que ça peut vous aider à accéder aux prêts bancaires. Donc généralement, les banques vous demandent un apport personnel minimum selon votre projet et puis des investissements qu'il y a à faire, qui est généralement en moyenne entre 20 et 30% d'apport personnel par rapport au projet global. Donc le prêt d'honneur peut vous aider vraiment à renforcer vos fonds propres pour faire un effet de levier sur le prêt bancaire pour financer la globalité de votre projet. Donc les conditions pour obtenir ce prêt d'honneur-là, donc comme je vous disais, c'est un prêt aux dirigeants d'entreprise. Donc on prête aux dirigeants qui sont majoritaires. S'il y a plusieurs dirigeants, donc une co-dirigeance par exemple, c'est possible. On peut couper le prêt d'honneur en deux et faire moitié-moitié ou un prorata en fonction de la répartition des parts dans le capital social. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous avez une co-dirigeance à 50-50. Vous nous sollicitez pour 20 000 euros. On pourra faire 10 000 euros sur chaque tête, sur chaque personne. Si on est sur, deux tiers, un tiers, mais avec une co-dirigeance, on pourra faire deux tiers du prêt d'honneur sur une personne et un tiers du prêt d'honneur sur l'autre. Et la deuxième condition, c'est que notre prêt bancaire est forcément couplé à un prêt bancaire au moins du même montant. Le but, ce n'est pas de remplacer la banque, c'est de faire un effet de levier auprès de la banque. Je vais prendre un exemple. Vous avez un plan de financement global qui est de 50 000 euros. Vous pouvez mettre 10 000 euros dans votre projet. Ça fait 20%. Il reste 40 000 euros à financer. C'est-à-dire qu'au maximum, on pourra vous prêter 20 000. Et du coup, la banque a autant 20 000. Voilà. On va jamais aller au-delà de ce que vous prête la banque. Sauf exception que je reviendrai après. Voilà, mais sur les créations classiques, on est au moins du 1 pour 1. Donc là, je vais vous présenter spécifiquement le prêt d'honneur sur Initiative 50 ans en Yvelines. Donc nous, notre prêt d'honneur, donc Initiative 50 ans en Yvelines, s'adresse à toutes les entreprises qui auront le siège social sur le territoire de 50 ans en Yvelines. C'est une question de siège social. Vous pouvez très bien avoir une entreprise qui a son siège social à Élancourt, mais qui exerce une activité sur toute l'Île-de-France ou même au niveau national, hein,
Voilà, mais c'est une question de siège social. Par contre, c'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir le siège social sur une de nos 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais si vous êtes hors Saint-Quentin-en-Yvelines et que vous installez sur le territoire juste pour le prêt d'honneur, si votre activité n'est pas du tout sur le territoire, c'est vrai que ça aura moins d'impact pour nous. L'objectif, c'est effectivement de développer le développement économique de la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, Initiative, c'est un réseau qui existe au niveau national. Sur le territoire des Yvelines, vous avez donc Initiative Saint-Quentin-en-Yvelines sur Saint-Quentin-en-Yvelines, et vous avez une autre zone qui va du nord des Yvelines, Mantes-la-Jolie, les Mureaux, jusque l'ouest des Yvelines et jusqu'à Rambouillet. Donc, par contre, il y a quelques villes qui ne sont pas couvertes par un réseau Initiative, notamment les communes de l'agglomération de Versailles Grand Parc. Donc voilà, il peut y avoir des zones où malheureusement il n'y a pas de pré-initiative sur le territoire. Voilà. Oui. Bois d'Arcy, ça fait partie de Versailles Grand Parc. Voilà. Donc, faudrait effectivement peut-être insuffler à la communauté d'agglomération de ce secteur-là de mettre quelque chose de similaire en place. Voilà. Il faut savoir que donc la compétence économique a lieu au niveau des agglomérations et après au niveau de la région dans un deuxième temps. Donc cette partie-là, effectivement, c'est aux agglomérations de mettre des choses ou non en place. Et selon les agglomérations, y a plus ou moins de choses qui se mettent en place ou pas. Ça dépend aussi après de la densité forcément de l'agglomération. Donc sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on joue l'attractivité du territoire, on fait beaucoup de choses pour vous, comme aujourd'hui par exemple. Donc les différents prêts d'honneur, je ne sais pas si je peux me décaler, les différents prêts d'honneur, donc vous avez le premier donc, qui est en rouge, qui est le plus classique, donc c'est le prêt créateur d'entreprise. Donc notre prêt d'honneur peut aller de 5 à 25 000 euros et il est remboursable sur 3 ans. Le deuxième, c'est le prêt développement. Donc, c'est pour les entreprises qui sont déjà immatriculées, qui ont moins de 3 ans, sous le même montant, donc de 5 000 à 25 000 euros, remboursable également sur 3 ans. Donc, 3 ans, c'est un maximum. C'est rare qu'on fasse moins, en fait. Généralement, c'est sur 3 ans. C'est couplé au prêt bancaire. Si vous avez un prêt bancaire qui est 3 ans ou plus, on sera sur 3 ans. C'est très rare et je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. C'est si vous avez un prêt bancaire qui est que sur 2 ans, notre prêt d'honneur devrait être, lui, aussi que sur 2 ans, sur la même durée de remboursement que la banque. Mais c'est très rare. Aujourd'hui, dans la création d'entreprise, le prêt moyen, la durée des prêts bancaires, c'est plutôt 5 ans, voire 7 ans pour une reprise d'entreprise ou des créations d'entreprise qui ont des investissements assez lourds. En bleu, donc vous avez donc le prêt croissance. Donc là, c'est pour les entreprises qui ont plus de 3 ans ayant un projet de croissance. Donc un projet de croissance, ça peut être divers et varié. Ça peut être j'acquiers de nouveaux marchés et j'ai besoin de me développer, hein, tout simplement. Ça peut être j'envisage de prendre de nouveaux locaux, j'envisage des recrutements supplémentaires, une restructuration. Ça peut être plein de choses. Un projet de croissance. Donc pour les entreprises de plus de 3 ans, et là on peut monter jusqu'à 75 000 euros en prêt d'honneur. Alors pour vous expliquer, c'est que nous en interne, sur Initiative, on peut faire jusqu'à 50 000. Et après il y a un programme avec la CCI qui nous permet de monter jusqu'à 25 000 euros supplémentaires. Pour ça, en fait, il faut que l'entreprise ait moins de 7 ans. Donc on va dire entre 3 et 7 ans. Voilà. Donc c'est un dossier supplémentaire. On doit avoir un aval, nous, en amont, savoir si il valide ou pas ce prêt supplémentaire sur dossier. Et s'il est validé, ça reste le comité sur lequel vous allez passer qui va décider ou non de l'obtention de l'intégralité des prêts. Je m'explique. Nous, vous nous sollicitez pour 70 000 euros. Ça sera 50 000 en direct chez nous et 20 000 euros, en fait, au niveau régional. Au niveau régional, on a soumis le dossier, ils vous ont donné un avis favorable, admettons. Vous passez en comité chez nous, si le jury dit oui, il dit oui pour les 70 000 euros. C'est juste que les décaissements ne se font pas de la même manière, c'est tout. Et le dernier, c'est la reprise. Donc c'est pareil, c'est sous le même principe. Donc là, c'est pour la reprise d'entreprise, donc ça peut être de la reprise en achat de parts sociales, comme de la reprise du fonds de commerce. Donc là, il y a des conditions supplémentaires, je vais en donner quelques-unes. Il faut que le plan de financement dépasse 100 000 euros pour aller jusqu'à 50 000. Jusqu'à 25 000, ça peut être considéré comme une création classique. Au-delà, il faut que le plan de financement dépasse 100 000 euros, que vous repreniez au moins 3 salariés
Et après, c'est des questions d'endettement sur l'entreprise et d'endettement personnel, des taux à ne pas dépasser pour que vous soyez éligible au prêt d'honneur des 25 000 euros supplémentaires. Donc là, c'est comme, comme le prêt croissance, dire qu'on a 25 000 en direct et 25 000 euros qui passent au niveau initiative Île-de-France. Mais ça reste le comité local qui décide de l'intégralité de la somme. Et celui-ci, il est remboursable sur 3 ans également. Donc il y a le prêt croissance, il peut être jusqu'à 5 ans. On a développé, donc là en propre, c'est porté par initiative, ces prêts d'honneur-là, mais ça ne fait pas partie du réseau initiative. Donc c'est Initiative Saint-Quentin-en-Yvelines qui a développé en propre 3 prêts spécifiques. Donc on a le prêt innovation, donc celui qui est vraiment un prêt dédié à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui lui est un prêt d'honneur donc pour les start-up et projets innovants, qui va de 5 000 à 100 000. Alors en fait, c'est de 5 000 à 50 000 et c'est renouvelable une fois. Donc on peut monter jusqu'à 100 000. Donc là, remboursable sur 3 ans. L'avantage de ce prêt d'honneur-là, c'est que c'est le seul qui n'est pas couplé à un prêt bancaire classique. Il peut se suffire seul. Par contre, il y a des conditions supplémentaires. C'est qu'il faut que vous soyez dans un stade très avancé de votre projet de création d'entreprise, enfin de votre start-up, que vous soyez quasiment en phase de commercialisation, d'avoir commencé à faire du chiffre d'affaires. Je vais prendre un exemple. Vous avez monté un prototype et vous souhaitez maintenant le faire à grande échelle. Du coup, ça peut être effectivement à ce moment-là. Comment ça se passe sur ce comité-là? On a un comité d'expertise qui se réunit en amont, qui va valider l'aspect innovation, qui va valider votre projet innovation, donc avec des jurys qui sont spécialisés dans le domaine de l'innovation, qui vont valider l'innovation, qui va valider votre business model et le marché de votre activité. Si vous avez un avis favorable à ce comité-là, à ce comité d'expertise, à ce moment-là, vous passez en comité classique, que j'expliquerai après, qui va valider, lui, le montant que vous aurez sollicité. Le deuxième prêt spécifique, c'est le prêt santé. Alors là, c'est un prêt qui est décliné au niveau régional. Je ne sais pas s'il est au niveau national, mais au moins au niveau régional, au niveau d'initiative. Donc là, c'est pour tous les professionnels de santé. Ça peut être de la pharmacie, de l'ambulance, des professions médicales classiques. Cabinet dentaire, on a fait notre premier prêt santé sur un cabinet dentaire. Donc là, c'est un prêt qui va de 5 à 50 000 euros remboursable sur 3 ans. Voilà. Donc ça nous permet, au lieu d'aller jusqu'à 25, d'aller même jusqu'à 50 000. Et le tout nouveau, qui est en cours de sortie, c'est un prêt spécifique pour les agriculteurs. Voilà. Agriculteurs, circuits courts, voilà. Donc là, c'est un prêt qui serait de 5 à 25 000 euros. Et tout comme le prêt innovation, il n'est pas forcément couplé à un prêt bancaire classique. J'ai oublié de préciser, sur le prêt innovation, on a un délai de différé qui peut être beaucoup plus élevé que les autres. On peut aller jusqu'à un an de différé. Pour les autres prêts, on peut être soit de 0 à 3 mois. En fonction, je dirais, du délai de démarrage de votre projet. Si on sait qu'il y a des travaux, qu'il peut y avoir un temps de prospection qui fait que le chiffre d'affaires va tomber au bout de 2 mois, qu'il y a des délais de paiement, à ce moment-là, on peut vous autoriser un différé de 3 mois. Qui est validé également lors du comité. Donc comment ça se passe? Donc c'est une procédure qui est assez simple et rapide. Donc on a une équipe de conseillers pour l'élaboration du business plan. Donc soit en direct, soit par le biais des opérateurs qui font partie de Entrepreneurs Leaders. Donc sur les Yvelines, vous avez 3 opérateurs pour la partie accompagnement au montage de business plan. C'est la CCI, la Chambre de métiers et BGE Yvelines, qui sont présents ici sur le forum, n'hésitez pas à aller les voir, qui peuvent vous aider dans le montage du business plan. Quand votre business plan est prêt et que vous avez tous les justificatifs qu'on va vous demander, je vais vous en dire quelques-uns, CV, un justificatif qui prouve que vous respectez la réglementation s'il y en a une par rapport à votre activité, projet de statut ou statut, projet de bail, promesse de bail s'il y a un local, pour quelques exemples. Donc quand vous avez votre business plan et l'ensemble de ces documents-là, je reviendrai après. À ce moment-là, on valide que le dossier il est complet et on vous positionne sur un comité d'agrément. Le comité d'agrément, aujourd'hui, on en a un toutes les 4 semaines.
Mais selon l'affluence, on est très réactif. C'est-à-dire que l'année dernière, parce que là on est en mi-année, donc c'est compliqué, mais l'année dernière, par exemple, il y a eu 3 mois où on a eu 6 à 8 dossiers. On passe, nous, maximum 4 dossiers par comité, hein, parce que c'est quand même assez lourd. À ce moment-là, on a dupliqué nos comités pour essayer d'être assez réactifs. Donc, comment ça se passe un comité ? Donc, vous aurez une présentation de 10 minutes à l'aide d'un PowerPoint que vous aurez préalablement préparé et que je vous aurai aidé à relire aussi. Ensuite, c'est 10 minutes de questions-réponses avec les membres du jury qui vont vous poser des questions. Ensuite, vous sortez de la salle chez nous. Le jury délibère. Donc, ils vont discuter, oui, non, ils vont voter. Et ils vont vous faire rentrer pour vous dire leur réponse. Donc, vous aurez la réponse immédiatement. Voilà. Pour certains comités, d'autres prêts d'honneur, c'est un conseiller avec qui vous avez longuement échangé, qui vous a passé à la moulinette, qui présente votre dossier. Et généralement, il vous appelle dans l'après-midi ou le lendemain pour vous donner la réponse. Voilà. Donc, généralement, on est quand même. Tous les comités de prêts d'honneur sont quand même très réactifs. Ensuite, pour le décaissement, donc si en tout cas vous avez eu un avis favorable lors de ce comité-là, bah c'est rapide. Il nous faut simplement justifier de pièces supplémentaires qu'on ne vous aura pas forcément demandées au moment du business plan, qui est le CABIS. Il faut que vous soyez immatriculé pour qu'on puisse à ce moment-là vous décaisser. Il n'y a pas besoin d'être immatriculé pour passer en comité, hein, parce que au contraire, hein, si votre projet, assurez-vous d'avoir tous les financements avant de démarrer votre activité, hein, d'immatriculer. Donc, par contre, pour le décaissement, il va falloir que vous soyez immatriculé et que vous ayez obtenu votre prêt bancaire. Voilà. Donc, vous avez généralement signé le contrat de prêt et vous avez généralement l'échéancier avec. Voilà. Entre autres, carte d'identité, etc., classique. Mais c'est principalement les deux éléments qui vous manquent, je dirais, pour décaisser le prêt d'honneur. Et donc, après, en termes d'assurance, on a des délais d'assurance aujourd'hui qui sont très rapides. Sous une semaine, on peut avoir les réponses des assurances. Donc, je dirais, en quasiment une semaine, vous pouvez avoir votre prêt, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Vous avez répondu en partie à ma question, par rapport aux conditions nécessaires pour passer en comité. Est-ce qu'on peut s'y prendre de manière très proactive, parce qu'on peut être dans, artisanat, par contre, chaque local, de même commercial. Est-ce que rien n'empêche d'ores et déjà de passer en commission, sauf dans ces éléments, ou alors on va vraiment être dans une étape plus avancée avant d'être éligible pour une comité? Alors, s'il y a local, dans l'idéal, il faut au moins avoir une promesse de local, ou en tout cas un local clairement identifié à minima, parce que selon les locaux, ça peut vraiment changer le plan de financement. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un local, si c'est un commerce, c'est obligatoire. Si c'est des activités plus artisanales, que je dirais que ça soit à Elancourt ou à Plaisir, parce que c'est un local de stockage, forcément, ça n'aura pas le même impact. Mais il faut que vous ayez au moins un document qui montre des éléments financiers sur le local que vous avez au moins repéré. D'accord, sans pourtant qu'il ait été attribué, mais au moins on vous a dimensionné un peu. Voilà. Après, je dirais que c'est du au cas par cas en fonction des activités. Mais on vous le dira à ce moment-là. Et est-ce qu'il y a un délai minimum entre le passage en commission et le décaissement ? Oui. Alors, quand vous passez en comité chez nous, vous avez 6 mois pour décaisser le prêt. Au-delà de 6 mois, si ça ne change pas le plan de financement, s'il n'y a pas de choses qui sont inchangées, si on est à 7 mois, voilà. Si par contre ça fait beaucoup plus, à ce moment-là, on vous demandera de repasser en comité. Je peux vous donner un exemple, mais on est vraiment du au cas par cas. On a financé quelques entreprises qui vont s'ouvrir à Open Sky. Je ne sais pas si vous savez, c'est à Plaisir, dans le nouveau centre commercial qui est en construction. Ils devraient ouvrir en novembre, puis en janvier. Puis ils n'ont toujours pas ouvert. Je crois que c'est prévu bientôt. Enfin voilà, enfin, il y a eu quand même des reports. Les projets n'ont pas changé en fait. Et puis si les situations des personnes n'ont pas changé non plus, il n'y a pas de raison à ce qu'on repasse à ce moment-là en comité. Par contre, si vraiment ça dure dans le temps parce que vous avez 2 ans d'indemnité Pôle emploi, que vous êtes au chômage et qu'entre-temps, vous reste plus qu'un an, ou voire plus du tout d'indemnité, là, ça peut vraiment changer la donne sur un projet par rapport à votre situation personnelle. Ceci à dire qu'il faut peut-être faire du chiffre d'affaires tout de suite et pas, entre guillemets, avoir une marge de sécurité. Donc ça peut avoir un impact, notamment, par exemple, sur ça, le changement de local, ou, voilà. Le taux d'attribution, enfin, par rapport au nombre de dossiers que vous recevez, vous en attribuez combien en pourcentage ? Je dirais entre 90 et 95%.
Mais on fait déjà un tri en amont. Si on n'a pas déjà le business plan et toutes les pièces justificatives, ça fait déjà, je dirais, une présélection naturelle des projets. C'est-à-dire que le projet n'a pas été assez maturé en amont ou que la personne s'est rendue compte que le projet n'était pas viable, hein, pas faisable, hein, ça peut arriver. Et en cas d'activité, une fois qu'on a une fait d'activité non viable, il y a des modalités pour étaler le paiement. Alors, c'est un prêt sur l'honneur. Donc, effectivement, c'est un prêt personnel. Donc, c'est à vous de le rembourser. Donc, même si, je dirais, votre activité s'arrête, ou en tout cas fonctionne moins bien, normalement, vous êtes engagé à le rembourser. Si, effectivement, nous, derrière, vous arrêtez votre activité, une liquidation, etc., on peut enclencher des garanties. Nos prêts sont garantis, notamment par BPI. Est-ce que c'est obligatoirement de coupler avec un prêt bancaire ? Oui. Sauf exception sur le prêt innovation et le prêt agriculteur. Sinon, c'est obligatoirement couplé à un prêt bancaire. On n'est pas là, en fait, pour remplacer la banque. On est là pour vous aider à obtenir un prêt bancaire. Même si j'ai fait un appel personnel assez court. Oui. Et quand vous parlez d'innovation, est-ce qu'il s'agit uniquement d'innovation technologique ou ça peut aussi être... Non, ça peut être de l'innovation de service. Pour ceux qui étaient à l'atelier BPI, c'est le même principe. Hein. Ça peut être de l'innovation technologique ou de l'innovation de service. Il y a un cash obligatoire pour le prêt bancaire pour pouvoir l'utiliser. Il faut au moins que ce soit du 1 pour 1. Si on vous prête 10 000, enfin, si dans le plan de financement on vous met un prêt d'honneur à 10 000, il faut que vous obteniez au moins un prêt bancaire au moins à hauteur de 10 000. Après, si forcément, par contre, c'était prévu que ça soit 20 000 et que la banque vous dit 10 000, ça peut revoir le projet. Il faut qu'on puisse que le plan de financement reste équilibré. Là, vous disiez, je veux avoir confirmation par rapport à cet aspect Versailles Grand Parc exclu. En fait, est-ce qu'il y a vraiment des réseaux France Initiative ? Est-ce qu'il y a vraiment des réseaux exclus de France Initiative ? Oui. Et il y a d'autres réseaux, du coup, qui proposent la même. Oui. Alors, vous avez le réseau Entreprendre, qui est présent sur le forum, que vous pouvez aller voir, qui fait également du prêt d'honneur. Vous avez aussi Yveline Active, qui fait du prêt d'honneur, mais ceux-là, ils sont réservés à ceux qui rentrent dans le cadre d'entrepreneurs leaders et qui sont demandeurs d'emploi. Donc après, c'est des conditions après, de statut qu'il peut y avoir en plus. Alors que nous, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi ou déjà indépendant, vous pouvez, du moment que vous êtes sur 50 ans en Yveline, vous pouvez y être éligible. Donc tous les organismes que je vous ai dit, ils sont présents aujourd'hui. Hein, donc n'hésitez pas à les rencontrer sur leur stand. Ils ont chacun leur modalité au niveau du prêt d'honneur, chacun leurs conditions. Oui, ça peut s'accumuler. On évite par contre, on peut accumuler les prêts d'honneur. Vous obtenez 8000 euros par exemple de la Caisse des dépôts par Yveline Active dans le cadre d'Entrepreneur Leader. Et 20 000 euros chez nous, 28 000, on vous demandera que vous ayez au moins un prêt à hauteur de 28 000 euros, au moins du 1 pour 1 à l'addition des prêts d'honneur. Pour votre prêt d'honneur, on par exemple, que vous acceptez la condition de prêt, ensuite on va voir votre banque, et ensuite on revient voir avec le justice. Alors, en fait, quand vous allez monter votre business plan, vous allez intégrer le fait que vous allez solliciter ou pas un prêt d'honneur. Donc si vous prévoyez de solliciter un prêt d'honneur, notamment chez nous, à ce moment-là, vous venez nous voir en amont pour qu'on vous donne le montant du prêt d'honneur qui paraît le plus judicieux par rapport à votre situation. Hein, parce que ce n'est pas automatiquement 25 000, hein, c'est de 5 à 25 000. Ça dépend de votre rapport personnel, de ce que vous allez, de ce que vous avez à avoir à financer. Enfin voilà, on prend tout en compte du nombre de création d'emplois derrière. On vous dit le montant qui paraît judicieux de demander. À ce moment-là, vous l'incluez, je dirais, dans la finalisation de votre business plan. Quand votre business plan il est complet, vous allez voir votre banque et vous venez nous voir en même temps. En fait, il y a des banques qui vous diront effectivement, oui, mais tant que vous n'avez pas le prêt d'honneur, on ne vous finance pas. À ce moment-là, vous avez fait la démarche d'aller voir les banques. Vous aurez des banques qui vont vous dire, OK, on vous finance. Et vous ne serez peut-être même pas passé en comité, que vous avez déjà l'accord bancaire. Donc je dirais, il ne faut pas forcément nous attendre, nous aussi. Donc voilà, donc, je dirais que c'est du simultané. Si vous avez déjà l'accord bancaire avant, tant mieux. Si vous ne l'avez pas avant, au moins avoir enclenché des démarches bancaires. Tout simplement parce qu'en plus, si on vous dit oui,
Mais de toute façon, la banque vous dit non, il ne se passera rien. On ne pourra pas vous le décaisser, votre prêt. Donc c'est vraiment une démarche simultanée à mettre en place. Et du coup, en fait, je si c'est complet après bancaire, c'est-à-dire que du coup, on devrait leur prêt dans la banque et vous, du coup... Tout à fait. Ouais. Alors, sauf que le prêt bancaire, il sera sur l'entreprise. Sauf entreprise individuelle, mais ça reste assez rare. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est un plus que de dire qu'on a derrière nous un prêt d'honneur qui est... Oui, c'est un gros plus. En fait, le fait d'avoir obtenu un prêt d'honneur, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs, ça montre qu'il y a déjà un comité avec des jurys qui sont passés, qui ont validé votre projet, donc ça rassure. Donc, En fait, si on est allé au milieu, il faut quand même voir pour justifier que derrière nous, on est quelqu'un. Et ensuite, pour venir voir, pour dire aussi la banque va autoriser à faire. Oui, mais si la banque vous dit dans tous les cas que même si vous avez un prêt d'honneur, elle ne vous financera pas, ça ne sert à rien de venir nous voir non plus. Bon, d'accord. J'arrête. Donc, non, mais c'est vraiment simultané. Dernière question. Lors de la soutenance, est-ce que les gens vont se faire, un futur des gens vont se faire accompagner d'un éventuel partenaire On le fait rarement. Alors, s'il y a des associés, oui. Ou s'il y a madame ou monsieur qui va aider dans le projet, oui. Au-delà, non. Parce que c'est du prêt sur l'honneur. Hein. On va aussi mesurer... Enfin, l'objet du comité, c'est aussi de mesurer la capacité au chef, futur chef d'entreprise de porter son projet. Et ça, c'est important. Hein. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a un atelier qui s'appelle « Convaincre mon banquier ». Je pense qu'ils vont vous en parler. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à nous retrouver sur le stand du Ski Cube et d'Initiative. S'il y a des questions, de toute façon, je vais être dans le Barnum pour vous recevoir. Merci à vous.